pas de vin pour ces raisons. Je ne sais pas le prix. Ah non, j'ai cru qu'il n'y a pas de Saint-Anne, j'ai cru à un moment que je me disais, ah tiens, le type il n'a pas mis son pignon parce que Saint-Anne est en train de se faire. Et les vélos. Les vélos avec tous ces bébés derrière qui prennent les rues, genre la rue Saint-Anne en sens interdit. Je lui explique comment les piétons font, même pour étaler sur les trottoirs. Moi sur le trottoir, je suis collé au mur parce que la bonne femme. Elle passe dans la rue Saint-Anne avec son truc large comme ça à l'arrière et qu'elle a dû passer sur le trottoir. Alors que de l'autre côté, t'as une bande cycliste. Oui, mais de l'autre côté, t'as les commerces. Tu vas aller avec ton truc en sens interdit devant chacun, papa. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Les gens vont à Saint-Anne, ils vont comme ça avec les papa. De l'autre côté. Parce que la plupart des piétons vont de mon côté à droite et que chez chacun, t'as pas. Du côté de la pharmacie, t'as une bande cycliste. Oui. Sur la rue. Oui, mais quand même papa, un vélo avec un truc avec des roues de poussette, il n'a pas la place pour une voiture presse, c'est tout ça. Ils n'ont pas pensé à des subtilités pareilles quand ils ont parlé de son interdit. C'est que les gens sont plus larges qu'un vélo, t'as plus cycliste, ça sert à rien, elle a dû aller sur la rue, sur le trottoir. Parce que la voiture, ils ont voulu passer tous les deux en même temps. Mais ça, le mec qui fait la loi, il ne pense pas. Non, je veux bien de plus cycliste, mais. La bande cycliste, quand quelqu'un, tu vois, c'est que je dis les carrés avec des roues là derrière, qui est tiré par le vélo, oui, oui. Et ça dépasse une bande cycliste, ça va pas. Mais en plus, de toute façon, les voitures, ils ne savent pas pour s'égarer. Oui, de toute façon, on ne comprend pas. Dans nos quartiers, que les gens aillent en sens interdit, je ne sais pas, la rue, c'est une rue, un coup, seul bande. Comment est-ce que tu peux accepter un vélo qui met en sens interdit? Moi, je ne sais pas. Si t'as qu'une voiture, si t'as qu'un sens pour une bagnole, c'est qu'elle a de la chance pour une voiture. Bah, au moins, là, je pense que c'est devenu. Ok. Du coup, aussi, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ils sont sur le trottoir. Ouais. Parce qu'ils sont gênés par les voitures. Et donc, ils tapent des. Ouais, c'est. Bah, si t'es une voiture, tu n'as pas ces problèmes-là. Et vu que maintenant, même pour travailler, t'es quand même obligé d'avoir une voiture. Bah oui, avec les communes comme moi, c'est le problème là. Avec les minorités, c'est le problème avec la démocratie. C'est très chouette qu'on ne soit pas dans une minorité. Special band. Ah, bah, l'autre truc là,